Bon, chaud. Bon. Bon. Do. Ré. Ré. On est prêts? On essaye, hein. On va voir. C'est dimanche matin. Il va de soi qu'on a déplacé trop de données au point de ne plus avoir les idées premières. Les données en tapant en ordre alphabétique sont seules dans les hangars. Va de soi qu'on a bien fait, c'est plus pratique, pas le temps. On avait bien d'autres choses à faire. On a construit une promenade en tech devant les hangars. Il y a eu un appel à projet pour les lampadaires. Les données sont stockées dans les hangars AI. On a mis le problème de côté pour le moment de toute façon. On n'avait vraiment pas le budget. Toi, tu débarques et tu dois faire un discours pour l'inauguration de la promenade. Il y a des pains surprises, t'as préparé un texte coincé en sandwich entre des listes de noms. C'est blindé de gratins, d'élus en tout genre et de femmes silencieuses qui sourient. Tu vas vers la petite estrade pour faire le taf. T'as beau faire, t'as toujours les mains moites. Tu dis, bon Dieu, j'ai toujours les mains moites. Tu passes tes mains sur ta veste, Mars, c'est genre mi-mars. Tu approches ta bouche vers le micro et là, avant d'avoir craché une seule syllabe, tu prends le jus. Pas grand-chose, mais c'est vraiment très très agaçant. Tu crois que c'est de l'électricité statique, tu retournes et paf! Tu te retournes, cherches un élu du regard sur les chaises derrière. Il n'y a plus personne. Ouh, tu fais volte-face vers le public. Il n'y a plus personne. Sous les barnums, il reste les pains surprises, mais plus un chat. Petite crise d'angoisse. Tu ris. On t'entend dans la sono. La sono marche. Panique. Tu descends de la petite scène, tu fais le tour. Personne. Tu reviens vers les barnums. Plus de pain surprise. Ah, très drôle, t'es en colère en fait, ça monte, tu le sens. Ça te remet de la sueur dans les mains. Tu vas pour les essuyer sur ta veste. Plus de veste. Tu cries, t'es blanc comme un cachet. Tu passes tes mains dans tes cheveux, tes doigts sur ta bouche, tes yeux sur les hangars. Ce dont tu avais les clés pour la visite. Tu cours comme une mouche. Ça ressemble à rien, ton parcours, tu te casses la gueule et tu te retrouves devant le A5. Il est entrouvert. Un son strident en sort. Un son pas super tranquillisant, y a pas de lumière. Tu tentes de tirer l'immense portail coulissant, c'est dur. Et là, c'est un flot ininterrompu de pain surprise qui tombe sur le coin de la gueule. 250 mètres carrés de pain surprise sur ta petite gueule. Il y en a des végés, des saumons, des jambons fromage, des fromages, ça te tombe dessus. Tu cours vers la promenade pour pas être en suivi, là, tu cries plus, là, t'es plus capable, t'as plus accès à tes cordes vocales, t'es comme mort. Il n'y a plus que les pains surprises. Ton cœur qui bat et les pains surprises. Ton cœur qui bat dans les pains surprises. Tu veux porter tes mains à ta poitrine, mais t'as plus de mains. Il n'y a plus que tes yeux qui voient les pains surprises. Enfin, tes yeux, tu n'es pas sûr, tu peux pas vérifier. Et puis, plus ça va, plus il n'y a que les pains surprises. Tu peux vérifier que ça. Tu vois ça, toi et les pains surprises. Une quantité folle, astronomique, traiteur et tout. Par pièce, c'est 6 euros TTC. Non mais t'imagines, un hangar de 9 mètres de haut et de 250 mètres carrés, ça fait 2250 mètres cubes. Ah, un pain surprise, ça doit faire aller 15 cm par 15 cm par 15 cm, soit 3375 cm cubes, soit 666 pains surprises. Dans ce foutu hangar, grosso merdo, ça fait environ 400 briques par terre, un tas sur ta petite gueule. T'es entièrement recouvert maintenant.
Silencieusement, les oiseaux, les chiens, les pauvres arrivent tous pour voler tous les pains surprises. Par les airs, par le sol, debout en rampant, lentement mais sûrement. Ils ne trouvent personne dessous, disparus de toute façon. Ils ne vont pas faire les difficiles. Merci. Il est 11h47. Bravo.